Bon, Méro, bonsoir. Voilà, donc j'enchaîne les petites vidéos là à vous faire. En fait, j'ai un message que j'ai eu, c'était le 20 mars, voilà, dans la nuit, du 19 au 20 mars. J'ai eu un message, je suis souvent réveillée et je canalise des choses, voilà, et des fois, bon, à d'autres moments aussi de la journée. Mais la nuit est très propice à ça. Voilà. Donc je vais vous le lire. Vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont changer. Donc voilà, je l'ai noté. Donc je vous en fais la lecture. Alors, tout existe, tout est à sa place et toute chose a un sens. Les choses qui arrivent seront des moments de doute et de désarroi pour certains et des moments de bonheur pour d'autres. Car tant attendu. Beaucoup de choses vont prendre une autre place dans vos vies. Jamais vous n'auriez pu imaginer ce qui va se produire prochainement. La plupart de tes compatriotes seront sous le choc des révélations et votre président sera dans un tel état émotionnel que son mental sera à son paroxysme d'une explosion mentale. Jamais nulle personne ne sera désormais plus en peine que lui et jamais personne ne sera plus en désarroi que vos élites. Beaucoup de monde vont perdre leur place et tel un échiquier qui aura joué des pions sera balayé d'un revers de main par le destin qui s'appelle la fraternité. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce message, ce qui ressort énormément, c'est ce mot-là, fraternité. Donc, je pense qu'il va se passer quelque chose à un moment donné, et ça va vraiment prendre toute sa teneur. Et ce mot va vraiment être, comment vous dire ça, porteur de ce changement. Enfin, une véritable alliance de fraternité, de paix, d'entraide va prendre jour. Pour cela, il en aura fallu des moments de chaos qui seront bientôt mis au jour eux aussi. Surtout, restez confiants. Jamais vous n'êtes abandonnés. Les eaux vont monter et donner l'arrivée de ce nouveau monde physique que beaucoup d'entre vous attendent. Alors, quand il parle des eaux aussi, alors il se peut voilà, qu'il y ait les eaux, hein, les vraies, les eaux, quoi, l'eau. Mais aussi, l'eau, pour moi, des fois, souvent, ça représente un émotionnel assez exacerbé, assez fort, assez puissant. Un grand bouleversement de la planète est imminent aussi. Terra, donc c'est le nouveau nom de la Terre, hein, je vous avais déjà fait une canalisation où Gaïa nous parlait et donnait naissance à Terra, puisque la Terre allait vers son accouchement comme nous. Il y a vraiment un changement et je vous en parle souvent dans les vidéos puisque je vous explique en fait cette espèce de nouvelle naissance dans une autre dimension, d'une autre Terre. Va prendre sa place dans cet élan d'une nouvelle dimension. Je t'aime et nous t'aimons, nous vous aimons tous et savons que vous allez vivre, et ce que vous allez vivre est à la fois terrifiant et excitant. Aujourd'hui, plus que jamais, restez dans le cœur de cette fraternité qui caractérise votre humanité. Tout est possible, même les pensées d'un imaginaire lointain étant pourtant réalité d'un passé si lointain. En fait, là, alors ça a été un peu compliqué pour moi à prendre, j'étais quand même très fatiguée, je vous avoue. Mais ce que je sentais, c'était comme on va récupérer beaucoup, vont commencer à récupérer des mémoires. Alors, ce n'est pas que des mémoires d'anciennes vies, en fait, des mémoires de nos valeurs, justement, de qui nous sommes, et en tout cas, des mémoires aussi de certains endroits, de certaines. Voilà, et ça va nous commencer à nous donner une interaction avec la vie. Vous allez voir, ça va commencer, ça a commencé chez certaines personnes, mais ça va se propager. Alors, un jour nouveau arrive et sera désormais fait de cet amour que tu feras grandir en toi et que vous apporterez en fait grâce à votre image intérieure vers l'extérieur de cette matière qui obéit à votre être profond. Donc en gros là, ce qui nous explique, c'est qu'en fait il y a déjà des choses qui commencent vraiment à s'installer. Il y a vraiment un changement. Alors les choses vont se faire parfois un petit peu dans la brutalité, dans le chaos, puisqu'il va y avoir cet émotionnel qui va se mettre en place.
et à la fois dans un côté de se souvenir et de se rappeler et de mémoriser à l'intérieur de nous, de faire ressortir beaucoup de choses. Voilà, et c'est aussi pour ça que quelque part j'ai envie de mettre en place avec vous un enseignement différent, peut-être aussi des ateliers. Enfin, je vais voir comment je vais mettre en place tout ça, mais je vais avoir besoin de votre aide, votre interaction et peut-être aussi de créer quelque chose avec vous pour que nous puissions aller vraiment dans ce changement. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous transmettre, à vous enseigner et à interagir avec vous, quoi, vraiment, voilà. Donc, je vous embrasse. J'attends vos petits mails pour les séquences conversation. Déjà, nous allons commencer par ça. Je voulais vous dire que le changement est vraiment abordé. Hein, il y a cette scission au niveau de terre, en fait, qui vont sur des axes et des plans un peu différents. Nous en montons dans des dimensions, voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.